Bonjour, je m'appelle Diana Baba, je suis responsable à l'ouest de l'entreprise Racine, qui est une société française qui est spécialisée dans la transformation, le commerce et la distribution de produits alimentaires ethniques qui peuvent être bio ou conventionnels et qui sont destinés à la diaspora africaine. Donc l'entreprise a des filiales au Sénégal, au Bénin et à Madagascar, et moi je m'occupe de la zone Afrique de l'Ouest en manageant la filiale Racine Sénégal. Après mon bac, j'ai choisi d'aller en France pour étudier l'agroalimentaire. Donc je suis partie d'abord dans l'UIT de Bourg-en-Bresse, dans lequel j'ai fait un DUT génie biologique, option industrie alimentaire et biologique. Et ensuite, j'ai choisi d'aller à Montpellier-Supagro pour la qualité de leur formation SADS, Système agricole et agroalimentaire durable au Sud. Pourquoi ? Parce que c'est une formation qui a lié donc à la fois l'agronomie, les politiques agricoles et l'industrie agroalimentaire. Et j'ai ensuite choisi de me spécialiser en industrie agroalimentaire pour les pays du Sud. Pourquoi ? Parce que j'avais l'intention de retourner dans mon pays d'origine et je croyais en la valorisation et à la transformation des produits, des matières premières d'Afrique dans leur pays d'origine. Je voyais mal que les matières premières soient envoyées en Occident et après soient transformées et retournées en Afrique. Donc je voulais créer de la valeur dans mon propre pays. Et donc c'est grâce à justement cette formation que j'ai pu avoir toutes les compétences nécessaires pour manager l'entreprise Racine au niveau du Sénégal. Et j'invite donc tous les alumni à s'inscrire sur la plateforme France Alumni, et parce que le réseau est quelque chose de très important, et donc c'est grâce à ce réseau-là qu'on pourra interconnecter toutes nos connaissances.